J'aime chercher les choses. C'est ce qui me procure le plus de plaisir. C'est presque une seconde nature pour moi. C'est là que je me sens le mieux. Et puis la solitude, la nature, ça me plaît plus que tout. Je me mets dans un état spécial, un état d'attention flottante. Je laisse mon regard errer et j'ai le sentiment que c'est mon cerveau qui fait tout le travail. Et mes plus belles découvertes, je les ai faites dans cet état-là. Un jour, je travaillais au Mont Chemin et j'ai remarqué un trou qui paraissait très 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 vieux. Il y avait des gros blocs rouillés. J'en ai cassé quelques-uns. J'ai regardé ça à la loupe. Et vraiment, je me suis dit à ce moment-là, tiens, on dirait un minerai d'or. Manifestement, les gens qui avaient creusé à cet endroit, peut-être il y a très très longtemps, peut-être il y a 1500 ans, à l'époque de la recherche du fer, ils cherchaient du fer, ils ont vu de la rouille, ils ont creusé, ils ont cassé, ils ont vu qu'il y avait du quartz, et ils ont abandonné, ils sont partis. Mais moi j'ai ramassé ces échantillons, et au laboratoire, en quelques minutes, sous le microscope binoculaire, j'ai vu mes premiers grains d'or. J'ai fait faire des analyses, ça a donné 40 grammes d'or à la tonne, ce qui est vraiment beaucoup. On a fondé une société qui a financé les travaux qu'on voit ici. Donc on a creusé sur le filon pour voir jusqu'où il allait. Les résultats étaient excellents. Il y avait de l'or un peu partout. Bon, alors on a presque un gisement d'or. On a toutes les autorisations évidemment du canton. Mais entre-temps, l'or s'est un peu cassé la gueule. Il a perdu un bon tiers de sa valeur, alors tout est en stand-by. Mais qui sait, peut-être, un jour, on tirera de l'or de cette montagne. Je ne suis pas un chercheur d'or. J'aime plus chercher que trouver. C'est pour ça que j'ai autant de plaisir à chercher de l'or qu'à chercher des champignons. J'ai toujours voulu être explorateur, donc voir des choses étonnantes, originales, mystérieuses. Ouais, c'est ça qui m'amuse et c'est ça qui m'enthousiasme. Je cherche des minéraux particuliers. Ma façon de pratiquer la minéralogie est proche de ce que je peux espérer en tant qu'explorateur. C'est-à-dire découvrir des choses que personne n'a encore vues.
Là, on est sur les déblais d'une ancienne mine de cuivre et d'argent, exploitée il y a 150 ans et abandonnée depuis. Et puis au centre, là, ben, ça se voit pas parce que c'est un peu petit, il y a un minéral de couleur vert qui est très intéressant parce que je ne l'ai jamais vu ici. Voilà, c'est mystérieux à ce stade. L'histoire de l'humanité, elle est scandée par des périodes qui sont nommées en fonction des minéraux. L'âge de la pierre, l'âge du cuivre, l'âge du fer. Et maintenant, on est à l'âge du silicium. Le silicium, c'est l'âme des ordinateurs. Voilà à quoi ça sert, les minéraux, et connaître les minéraux. C'est la base même de tout ce que les humains font sur cette terre, de technique en tout cas. Alors ça, c'est une espèce minérale nouvelle qui n'a pas encore de nom. Je suis très content d'en découvrir là aujourd'hui. Je l'ai détecté il y a déjà plusieurs années. Une espèce minérale, c'est comme une espèce animale ou une espèce végétale. Donc on est en train de l'étudier à Lausanne. La mine des Moulins dans le Val d'Anniviers date aussi des années 1850. C'était vraiment essentiellement une mine d'argent avec du plomb, avec du cuivre, avec du zinc. Plein de choses intéressantes pour des métallurgistes. Ça correspond probablement à une partie de ma personnalité de m'intéresser à des choses qui n'intéressent que peu de monde. Le laboratoire permet vraiment d'aller au fond des choses. C'est une forme d'exploration. C'est fascinant de prendre une substance dont on ne connaît rien et puis d'arriver à savoir si elle a une structure particulière. Ça permet de comprendre plein de choses sur la matière, sur la nature. L'être humain, depuis qu'il a commencé à penser sur cette terre, l'être humain s'est mis à faire l'inventaire
de ce qu'ils voyaient. C'est fondamental. Même les tribus dites primitives le font. Et moi, en étudiant les minéraux et en essayant d'en trouver d'autres, eh bien, je fais l'inventaire de ce monde. Et quand on me pose la question « à quoi ça sert ce minéral ?», j'aimerais quand même dire qu'on ne pose pas cette question à un entomologiste qui nous décrit une nouvelle espèce de papillon. On ne lui dit pas « mais à quoi ça sert ce papillon ?» C'est la même chose avec les minéraux. Ça ne sert pas plus qu'un papillon, mais ça participe de l'inventaire du monde et de la connaissance du monde, qui est une chose, à mon avis, belle. Bon, on regarde le premier minéral de terminaux. Il y a celui-ci. Qu'est-ce qu'on a ? Tout premier. C'est lui qui est avant, le minéral de terminaux. Voilà, c'est, à mon avis, de la théisite, donc on va vérifier. Si c'est bien la théisite. Je vais faire un peu de netteté. C'est un très bel échantillon en tout cas. Je vais le photographier, je pense. 10 sur 10 microns, le point d'analyse. Ouais. Cuivre. Cuivre antimoine. Antimoine, ouais. On est assez proche. Hein. Juste voir les rapports. Si c'est pas une zébélite ou une autre chose. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est « toute science commence par de l'étonnement ». J'étais passé souvent le long de cette route, très très souvent. Et ce soir-là, j'étais étonné. Ce que je prenais pour du charbon était perpendiculaire. Ce n'est pas normal, parce que le charbon est parallèle à la stratification de la roche. Et du coup, j'ai regardé ça beaucoup plus attentivement et j'ai vu tout d'un coup un arbre. On est devant le plus vieil arbre de Suisse. C'est un arbre fossile qui a 300 millions d'années. C'est plus du végétal, il n'y a plus du tout de bois. Le bois s'est fait remplacer, molécule après molécule, par de la silice. C'est donc entièrement transformé en quartz. Cet arbre en position de vie s'est fait enfouir par une crue probablement gigantesque et instantanée. Il a été complètement à l'abri de l'air. Et c'est ça qui l'a protégé. Il aura battu plus haut. Alors on prend directement de côté là. Ouais. On en met deux de toute façon. Est-ce que vous allez chercher des gros cailloux ? Il y a des ombres. Hein. On a commencé l'extraction du bloc afin de le présenter au musée de la nature à Sion. Ce plan qui date du XVIIIe siècle est en fait un de ces plans que les escrocs vendaient à des gens naïfs pour leur faire croire qu'ils allaient trouver de l'or à la dent de Volion. On voit la représentation du filon, ça ressemble un peu à des racines. Dans ce carré, on voit aussi les symboles alchimiques des différents métaux. L'or qui est représenté par un cercle et un point.
je prépare un livre. J'en ai publié un il y a une année et demie. Et j'avais 20 lieux mystérieux dans ce premier livre. Là, je fais le deuxième, avec aussi 20 lieux mystérieux. Ah ben là, c'est très net, très très net. Oui, absolument. Ça peut être, oui. Et ce trou ne figure pas donc sur le plan d'origine. Mm-hmm. Il a été fait peut-être postérieurement. Et on constate qu'il y a deux trous. Hein. Il y a deux attaques ici. C'est vraiment une tranchée de recherche, ça, avec les déblais qui forment le bombement tout autour. Voilà, sur les côtés, oui. Ouais. Ah là, il n'y a aucun doute que c'est pas naturel. Très intéressant. Je vais faire une photo. C'est là. Oui. D'accord. Et donc, derrière ce petit chalet, on peut observer le début d'une galerie qui probablement s'enfonçait sous le pâturage. Oui. Alors, ça serait dans cette région-là. Ok. On va aller voir. On va aller voir. Oui. Ça ferait quand même une centaine de mètres cubes de déblais. Oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le poste d'observation se trouve là. Oui, il est juste caché là derrière. Ok. Ah, mais là, on voit le déblais. Eh oui, le temps. On le voit déblais. Super bien, ouais, avec les pins à rôles, les arôles qui ont poussé dessus. Exactement. Ah ben là, c'est des travaux miniers absolument évidents. On a la tranchée dans la roche et le déblais. Très ancien déblais, puisqu'il est complètement recouvert d'herbes, avec des gros arbres qui poussent dessus. Ouais. C'est bien l'endroit qui est décrit dans l'article. Exactement. Ouais. Exactement. On va voir si on trouve des traces de fer quand même, de pyrite. Ah, c'est un petit peu oxydé là. Ils avaient probablement vu des traces de pyrite. C'est un minéral jaune métallique qu'on appelle aussi l'or des fous. Ça nourrissait le mythe de l'or de la dent de Volion. Écrire, c'est comme une respiration, ça va de soi. Les livres ont joué un rôle fondamental dans ma vie. Parce que comme j'étais un enfant solitaire, renfermé, dans une famille avec quelques problèmes, les livres ont été, d'une certaine manière, mes parents de papier. Les livres m'ont vraiment sauvé dans un certain nombre de situations. Ils ont été essentiels à ma formation. Donc il devait y avoir cette tôle qui protégeait l'entrée, et puis alors le crucifix. Je suis venu ici pour voir l'un des lieux mystérieux de mon prochain livre. C'est Yannick, un archéologue, qui m'a fait découvrir cet endroit. Alors soit il est tombé, soit quelqu'un l'a ramassé. Ouais. C'était beaucoup plus en ordre. Il s'agit d'un tunnel qui a été creusé pendant plus de 20 ans par un certain Maurice Dumoulin.
C'est extraordinaire. Tout cet endroit. Là, là, il y a une espèce de galerie là, qui va quand même à 1 mètre. Alors à droite aussi, tu as une sorte de vestibule d'entrée. Est-ce qu'il voulait vraiment faire un tunnel ou il voulait aussi faire une espèce de, je sais pas, de d'abri pour lui? Tu as des galets parfois, tu as aussi des pavés. C'est tout ce qu'il trouvait joli en fait. Un peu comme un enfant qui se fait son petit trésor avec des objets qu'il aime, qui ont attiré son attention. Et alors là, là il y a la bifurcation. Et là tu as le boyau latéral qui est beaucoup plus ordonné. Incroyable. En fait, à la base, son idée était de rejoindre le lac de Neuchâtel, qui est quand même à une dizaine de kilomètres d'ici. C'était trop loin, forcément. Et du coup, en fait, il a commencé à ramasser et à entasser dans la grotte toute une série d'objets qu'il trouvait dans les environs, notamment dans les décharges. C'est incroyable, ce truc. C'est vraiment... Ça a l'air, au premier abord, d'un capharnaüm, d'un bric-à-brac, mais pas du tout. Les objets ont été sélectionnés. En fait, ils triaient par catégorie d'objets. C'est absolument de l'art brut. Hein. Et il appelait ça son trésor. Un peu comme les enfants ramassent des cailloux qui leur plaisent ou des coquilles d'escargot. C'est un peu acrobatique comme... composition. On va même collectionner les boîtes de Nivea vides. Très poétique cet endroit. J'adore. Ça me touche de voir cet homme qui a passé sa vie à faire ce tunnel, à constituer son trésor. Il le cachait apparemment. Il était malentendant, donc il était dans son monde intérieur. Et puis il a laissé ça. Et maintenant on peut entrer dans son monde intérieur. Je trouve ça magnifique, émouvant. La tour de la Molière, pour moi, c'est un endroit qui embaume le mystère. C'est un lieu chargé d'une très très longue histoire avec plein de ponts obscurs où l'imagination est obligée de remplir les vides. Cette tour, elle est construite avec la pierre qu'on a tirée de ses fondations mêmes. Elle est construite au centre d'une carrière. C'était une plage il y a 18 millions d'années, dans un climat très chaud et humide, au bord d'une grande mer qu'on appelait la Tétis. Il y avait des requins qui nageaient dans cette mer et qui ont laissé leurs dents dans cette roche. Je m'intéresse au passé vraiment dans la mesure où il résonne dans le présent comme source de compréhension et puis comme source de beauté, de connaissance. Il y a tellement de choses à découvrir, c'est tellement vaste, ma vie n'y suffira pas d'ailleurs.